Alors là, je suis hospitalisée parce que je manque d'oxygène. J'ai une infection pulmonaire. Hawabel fait de terribles confessions concernant son addiction à la nourriture. Hawabel a fait des révélations déchirantes vis-à-vis de son addiction pour la nourriture et sur les terribles conséquences de cette dernière. On vous raconte. Suivie par plus d'un million de gens sur TikTok, la jeune femme est devenue célèbre en très peu de temps sur la plateforme. Accro à la consommation de mousse de matelas ou d'ours en peluche, mais aussi touchée par une addiction classique à la nourriture, cette dernière a fini par tomber dans une obésité morbide. Pesant aujourd'hui 182 kilos, Hawabel est confrontée à de très gros problèmes tant sur le plan physique que moral. Invitée avec son mari Mohamed sur le plateau de Samzira, elle a notamment évoqué son incapacité à devenir maman. À cause du diabète, l'obésité, la gynécologue a dit que j'avais aussi des problèmes de fertilité. Même si je perds du poids et que je prends un traitement, ça ne veut pas forcément dire que c'est possible. Au-delà de la difficulté à avoir un enfant, tomber enceinte représente un très gros danger pour Hawabel, qui peut être victime de graves complications. Le couple a révélé qu'il avait tout de même tenté de concevoir un bébé, mais que cela n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, la jeune femme ne peut pas vivre une vie normale et n'est pas capable d'être autonome. Son mari a dû arrêter de travailler pour s'occuper d'elle. C'est lui qui la lave ou qui l'habille. Récemment, elle a par ailleurs suscité une vive inquiétude auprès de sa communauté après avoir posté cette vidéo sur laquelle on peut la voir à l'hôpital après un souci de santé. Coucou les bébés. J'espère que vous allez bien. Moi, je veux un peu bien. Alors là, je suis hospitalisée parce que je manque d'oxygène. J'ai une infection pulmonaire. Là, ils m'ont donné à manger. C'est ça mon problème avec les hôpitaux. Voilà. Regardez ce qu'on me donne à manger. Franchement, est-ce que vous trouvez ça correct et juste? Et ils veulent vraiment que moi je mange ça. Comment je peux manger ça, s'il vous plaît? Au moins, ils me donnent de l'eau fraîche. Ça va être ça le gros problème. Il me manque. Tous les gens qui jubilent de ma situation, sachez que ce n'est pas à cause du sel ni du pub, ni de mes grosses quantités. J'ai les oreilles bouchées, je m'arrête. Je peux refuser 24/24. Allez. Des fois, j'ai 4 perfusions d'un coup. Le sort, c'est le plus horrible. Je peux pas manger ça. Le lieu va m'emmener du tchèp. Il n'y a pas de sel. Je peux pas manger. Je suis désolée, je peux pas. Mon Dieu, que ça, hein. La compote est si tendre. Comment on peut donner ça à manger à un être humain?